Le peintre allemand Caspar David Friedrich, pour lui, il y a une vie après la mort. Et c'est une croyance très forte en lui, et il a utilisé souvent la métaphore de l'arbre pour illustrer cette vie après la mort. Alors là, vous avez un exemple qu'on trouve dans la nature, qu'on appelle descente de cime, c'est-à-dire que le houppier d'origine a disparu, le tronc est cassé à son sommet, des suppléants sont apparus le long du tronc, s'organisent pour former un deuxième houppier. Pour le peintre, l'histoire ne s'arrête pas là. Un suppléant inséré très bas peut produire des racines. Et on est reparti pour un autre cycle. Alors a-t-il raison? Est-ce que l'arbre suit un déroulement cyclique ou est-ce que son développement est linéaire? Là, sous forme de schéma, ça c'est des schémas qui sont récents, mais ça ne fait qu'exprimer ce que le peintre allemand a voulu dire à travers sa peinture. Alors, on a longtemps cru que le développement de l'arbre était cyclique. Ça a été proposé comme hypothèse par Eglin en 1991. Ça a été repris comme certitude absolue par Rabot en 1993, avec ses 10 stades de développement, que vous connaissez peut-être. C'est malheureusement encore enseigné par Millet au Québec en 2015. Je dis malheureusement parce qu'on sait, depuis 1995, que le développement d'un arbre n'est pas cyclique. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, est-il linéaire pour autant? Linéaire, ça voudrait dire qu'il passe par différents stades de développement, jeune, adulte, mature, sénescence, et il meurt. Alors, pour que ça se produise comme ça, il faut des conditions optimales de développement et des conditions stables sur toute la vie de l'arbre. Alors, c'est des situations qu'on peut rencontrer sur les tropiques, mais à nos latitudes, c'est plutôt rare. Si vous voulez retenir une vision globale du développement d'un arbre, c'est ce schéma-là qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que vous avez, la flèche verte montre, une séquence de développement qui est programmée, et au cours de ce développement, il y a très souvent des écarts et des retours anormaux, ces résiliences, et ces possibilités de résilience qui peuvent exister lorsque l'arbre est jeune, lorsque l'arbre est adulte, mature, diminuent, décline pour disparaître complètement en phase de sénescence, et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'arbre entre en phase de sénescence et qu'il a perdu sa capacité d'exprimer une résilience. Alors si c'est un peu abstrait, je vais vous montrer des schémas. Vous avez déjà vu ces schémas. Ces schémas correspondent à des stades de développement. Et dans le rectangle bleu, là vous avez des états. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire, ce sont des perturbations. Alors, on va voir comment relier stade et état. Un arbre, comme l'arbre numéro 2, qui commence à construire son houppier, s'il subit un stress, il peut très bien se désorganiser, condamner les structures en croissance en hauteur et compenser ce manque de croissance par l'apparition de suppléants. Il peut, à partir de là, il peut exprimer une résilience. On a vu quelques exemples. Selon la nature du stress et l'état de l'arbre au moment du stress, évidemment, quelquefois, certains dépérissements sont irréversibles. Et puis, vous avez la possibilité, une résilience pas complètement totale, mais une résilience quand même, de produire un deuxième houppier un peu plus bas que le précédent. Celui-ci va suivre un développement normal, c'est-à-dire qu'il va connaître une sénescence lui aussi, et l'arbre va mourir. Ce qui n'est pas possible, et ce qu'on a longtemps cru possible, c'est de passer de 4 à 3 primes, c'est-à-dire qu'un arbre sénescent, il peut perdre des grandes branches maîtresses, vous pouvez le tailler sévèrement, vous n'aurez pas de réaction. Donc, un arbre sénescent ne peut pas exprimer une descente aussi. Il peut le faire pendant une longue, longue période au cours de sa vie, mais à la fin, il a perdu cette capacité. Donc, conseil numéro 8 qui paraît évident, c'est qu'il ne faut pas tailler les vieux arbres. Parce qu'une taille, c'est un stress ça, pour tous les arbres. Et pour les vieux arbres, c'est un stress supplémentaire parce qu'il est incapable de régénérer de nouvelles structures. Et conseil numéro 9, ne pas condamner les arbres stressés avant de connaître leur évolution naturelle. On a toujours intérêt à attendre encore parce que si vous condamnez les arbres stressés, ben vous allez vous priver d'arbres potentiellement résilients. Il faut voir si cet arbre stressé va avoir un état qui va s'aggraver, au contraire, ça
s'améliorer avant de prendre une décision et éventuellement.